tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous ai préparé une séance sur l'équilibre. Alors en fait, l'équilibre, il ne faut pas attendre d'avoir perdu son équilibre pour travailler parce que c'est super important. Et donc c'est un cours qui s'adresse au senior, mais pas que. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille son équilibre, eh bien, c'est pas simplement se tenir sur un pied. Il y a plein de choses dans notre corps qu'il faut stimuler. Et si vous travaillez votre équilibre, vous gardez votre équilibre et vous éviterez de chuter, si vous ne travaillez pas votre équilibre au quotidien, et bien c'est une fonctionnalité qui va se perdre au niveau corporel et qui vous amènera tôt ou tard à chuter beaucoup plus facilement. Donc pour travailler son équilibre, qu'est-ce qu'il faut travailler? Et bien il faut travailler déjà le dessous de son pied, hein, parce qu'on est debout toute la journée sur son pied, et c'est la base de notre équilibre. Donc à ce sujet, je vous proposerai une prochaine vidéo sur comment s'occuper de nos pieds, massage des pieds, stimulation de toute la voûte plantaire. Ensuite, il y a tout ce qui est proprioceptif, c'est ce qu'on va travailler aussi ce matin, c'est tous les muscles profonds qui maintiennent notre corps sur nos deux appuis, et ça c'est super important de travailler. Et on travaille comment? Par des exercices d'équilibre et de déséquilibre. Qu'est-ce qui rentre en compte dans l'équilibre? Eh bien, le travail du vestibulaire, et ça, c'est super important parce que le vestibulaire, il faut le stimuler en permanence parce que si on ne le stimule pas, on risque d'avoir des problèmes de sensations de tête qui tournent et de perte d'équilibre, voire même de chuter. Et il y a aussi tout ce qui est en relation avec la vue. Donc, vous voyez que l'équilibre, ce n'est pas simplement « je tiens sur un pied ». Bien, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test que vous pourrez faire au quotidien. C'est-à-dire que je vais vous chronométrer pendant 20 secondes et vous allez vous tenir sur un pied, pied droit ou pied gauche. Moi, je décompte 1, 2, 3 les secondes jusqu'à 20. Et vous, quand vous sentez que vous perdez l'équilibre, c'est-à-dire si vous faites ça, eh ben, vous arrêtez, vous mémorisez par exemple le 7. Ou si vous posez le pied par terre, eh bien c'est la même chose. Vous êtes prêts? Donc, ah oui, une chose importante, c'est qu'on travaille pieds nus. Voilà, donc si vous avez des chaussettes, des chaussures, eh bien vous les quittez, mais pas aux chaussettes, parce que vous risquez de glisser. Et le fait de travailler pieds nus, ça stimule la voûte plantaire. Donc vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc, vous allez surélever le pied droit du sol, allez-y, top, c'est parti, et je décompte. 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez lever plus, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, top. Normalement, on compte jusqu'à 10. Mais bon, s'il y a des personnes qui tiennent de la 10, je me suis dit, je vais compter jusqu'à 20. Vous retenez le chiffre quand vous avez posé votre pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Vous y êtes, surélevez l'autre pied du sol. Attention, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, top, 20. Donc là, pourquoi on fait pied droit et pied gauche? Parce qu'il se peut très bien qu'on tienne mieux sur un pied que sur l'autre. Parce qu'on a des pathologies au niveau de la cheville, au niveau corporel. Donc vous mémorisez ça et vous travaillez au quotidien vos exercices, vous referez le test pour voir que vous vous êtes amélioré. Bien, donc on va se placer dans un premier temps, les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin, ça c'est super important. Voilà, ayez une chaise à proximité, hein, parce que les exercices d'équilibre doivent toujours être réalisés dans de très bonnes conditions. Ok, donc au niveau sécurité, soit près d'une chaise, soit près d'un mur. Donc on va commencer les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin, de faire l'inventaire de notre corps. Donc vous allez relâcher au niveau de vos genoux, vous placez bien votre bassin correctement, vous vous autograndissez vers le plafond, vous placez le nombril dans le dos, vous relâchez vos épaules, vous glissez les deux omoplates l'une contre l'autre plutôt vers le bas,
Vous dégagez votre nuque, menton dégagé du sternum, voilà. Et dans cette position, les pieds largeur ouverture du bassin, on va prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Quand vous transférez le poids du corps sur l'avant, transférez le poids du corps sur l'avant, vous sentez quelque chose, une pression au niveau de vos orteils. Faites l'inventaire de ce qui se passe dans votre corps, sur l'avant et sur l'arrière de votre corps. Revenez au centre. Encore une fois, sur l'avant. Est-ce que vous ressentez que lorsque vous partez sur l'avant, vous avez une contraction musculaire au niveau du bas des abdos? Donc tout l'avant de votre corps se contracte pour ne pas perdre son équilibre. On revient au centre. Ressentez lorsque vous êtes au centre que vous n'avez plus du tout cette contraction musculaire. Vous faites la même chose en partant sur l'arrière. Et là, vous sentez à nouveau votre corps, les muscles profonds de votre ventre qui se contractent pour ne pas partir sur l'arrière. Revenez au centre. Encore sur l'arrière. Centrez bien votre énergie dans votre ventre. On revient, tout est relâché, sur l'avant, et sur l'avant, non seulement vous avez le bas des abdos, mais vous sentez aussi les muscles de votre dos qui vous maintiennent, qui se contractent pour ne pas partir sur l'avant. On revient, tout est relâché, sur l'arrière. On revient au centre et on relâche. Donc ça, c'est un petit exercice. On n'a pas besoin de faire ça toute la journée, mais vous pouvez mettre ça en place. Hein. Donc vous faites ça, largeur ouverture du bassin, mais on va le faire aussi pour stimuler justement les muscles profonds de notre corps, et bien les jambes serrées. Donc on réduit la surface d'appui au sol. Donc même chose, on part sur l'avant. Et vous devez même sentir quand vous avez moins d'appui dans le sol qu'il y a d'autres muscles qui sont sollicités, les muscles profonds, par rapport à tout à l'heure. Parce qu'on ressent peut-être un travail plus important au niveau des fessiers qui se contractent plus que tout à l'heure. On revient au centre, ressentez que tout est relâché. Et maintenant vous partez sur l'arrière. On revient au centre, sur l'avant. Alors attention, quand vous partez sur l'avant, c'est pas ça. Hein. Vous êtes une planche et on cherche jusqu'à chercher le point de déséquilibre. Sentez la contraction musculaire au niveau des orteils. On revient et vous réalisez la même chose sur l'arrière. Vous ne cambrez pas votre dos. Hein. Vous revenez au centre. En gardant les deux pieds serrés, un autre exercice. Donc, voilà, vous pouvez prendre peut-être appui sur la chaise, mais bon, c'est pas un exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, et contrôler toutes les oscillations qui se produisent dans votre corps. Quand vous fermez les yeux, vous sentez vous tanguer d'un côté, de l'autre. Donc vous allez essayer de contrôler toutes les oscillations de votre corps. Vous sentez ce qui se passe. Toujours avec les yeux fermés. Vous allez tourner la tête sur la droite, lentement, contrôlant ce qui se passe dans votre corps. Regardez ce qui se passe. Hein. Bon, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, ben vous ouvrez les yeux, bien évidemment. Hein. Vous revenez au centre.
Contrôlez, contrôlez. Et même chose de l'autre côté. Lentement, regardez. Enfin, sentez, pas regardez puisque vous avez les yeux fermés. Sentez ce qui se passe dans votre corps quand vous bougez la tête. Avec les yeux fermés. Vous êtes obligé d'avoir une contraction musculaire profonde pour maintenir votre équilibre. Vous revenez au centre, ouvrez les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, regardez, vous avez la sensation de tête qui tourne, donc preuve que la vue intervient dans l'équilibre. Donc le fait de faire ces petits exercices, ça stimule tous les muscles profonds, votre proprioceptif au niveau corporel. Donc ça aussi, c'est un petit exercice hein, que vous pouvez faire, les yeux fermés et maîtriser, contracter tous les muscles profonds pour maintenir votre équilibre. Cet exercice peut être réalisé les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin, et c'est un exercice qui est beaucoup plus facile à réaliser puisque vous avez plus d'appui au sol. Donc vous pouvez commencer par appui large au sol et ensuite, les yeux fermés, réduire votre surface d'appui au sol. Bien, maintenant que vous êtes sur vos deux appuis, vous allez les ouvrir largeur du bassin et on va faire un autre exercice. Vous allez, en état une planche, partir sur l'avant et sentir ce qui se passe quand vous perdez votre équilibre. Donc si vous avez des problèmes d'équilibre, eh ben, vous mettez près d'un mur pour ne pas partir et vous casser la figure. Hein. Donc vous essayez. De sentir ce qui se passe dans votre corps quand vous partez sur l'avant. Et ça, c'est important de le stimuler. Vous avez un réflexe qui se met en place. Réaction parachute, c'est-à-dire un pied qui se dégage pour vous stopper. Et vous avez, si vous êtes près d'un mur, les bras qui sont sollicités. Et ça, c'est des réflexes que l'on peut travailler tranquillement. Voilà. Et j'avance moi le pied gauche, mais certaines personnes, ça peut être aussi dégager le pied droit. Donc ça, n'hésitez pas, hein, vous vous mettez près d'un mur, vous partez, et hop, pour stimuler cette traction parachute. Parce que ça, c'est important, le jour où vous allez marcher, que vous vous prenez les pieds dans un caillou ou n'importe quoi, eh bien c'est important de stimuler cette réaction. Donc ça c'est à force de le faire que le jour où vous en aurez besoin, ça sera mis en place dans votre corps. Ça c'est un deuxième exercice. Alors je vais vous faire vivre un autre exercice. Donc on va prendre les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. Et on va dégager les talons du sol. Donc là, vous pouvez vous mettre en appui sur la chaise. Voilà. Et là, ressentez tout ce qui se passe dans votre corps, toutes les oscillations. Je dégage et j'essaie de maintenir la position le plus longtemps possible. Vous pouvez même compter, vous, dès que vous posez les talons, hop, on relâche et on réalise l'exercice à nouveau. Donc on se met sur la pointe des pieds et là on va rajouter, je dégage les bras sur le côté, je suis sur la pointe des pieds et là je vais regarder ma main droite, regardez ce qui se passe au niveau de votre équilibre. Je reviens au centre. Contrôlez toutes mes oscillations. Hop, j'ai posé les talons. C'est pas grave. Je me replace sur la pointe des pieds. Et je regarde la main gauche. Contrôlez toutes les oscillations. Je reviens au centre. Et je repose. Marchez sur place. Cet exercice peut être réalisé avec réduction de la surface d'appui au sol, c'est-à-dire les deux jambes serrées.
Si vous avez des problèmes d'équilibre, eh bien, vous mettez une main sur la chaise ou contre le mur et vous êtes prêt à poser la main en cas de besoin. Voilà. Quand je suis sur la pointe des pieds, voyez que les deux jambes serrées, c'est plus compliqué au niveau de l'équilibre. On ouvre le bras droit, on serre tout. Regardez votre main droite, regardez votre main droite sans poser vos talons. Sans poser vos talons, je vous vois. Regardez-moi, 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 sans perdre d'équilibre. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Vous devez sentir une sensation de chaleur dans tout votre corps. Hein? Allez, on reprend. On se met sur la pointe des pieds. On ouvre la main gauche. Serrez tout, hein? Le ventre est serré. Regardez la main gauche, regardez la main gauche. Encore, 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 encore. Encore, regardez votre main gauche. Ne perdez pas votre équilibre. Maintenant, doucement, regardez-moi, 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 regardez-moi. Ne posez pas les talons au sol. Et relâchez. Marchez sur place. On pourrait rester toute la journée ensemble pour travailler son équilibre. Il y a tellement d'exercices qu'on peut réaliser. Bien, donc quand vous avez travaillé pointe des pieds, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire que vous faites les mêmes exercices avec le genou droit et la jambe droite dégagée du sol. Voilà. Plus ou moins haut suivant si vous êtes à travailler votre équilibre. Si vous n'arrivez pas jusqu'à 10 au niveau du test, eh ben, c'est pas la peine de faire ça. Hein, vous allez commencer petit et puis au fur et à mesure, plus vous allez monter, plus vous allez créer un déséquilibre dans votre corps. Donc, plus vous travaillerez votre équilibre. Donc, on y va. On surélève donc le genou droit. Les deux bras sont en ouverture. Dégagez le menton du sternum. Regardez la main droite. Regardez la main droite. Sans perdre d'équilibre, allez-y, regardez votre main droite. Allez, contrôlez les oscillations. Maintenant, regardez la main gauche. Sans perdre d'équilibre. Regardez-moi. Relâchez. Marchez. Allez, même chose de l'autre côté. On se place, on surélève la jambe gauche du sol, on ouvre ses bras, et c'est parti. On regarde la main gauche. On regarde la main droite. Sans perdre d'équilibre, contrôlez tout. On regarde vers moi et on relâche. Vous devez vraiment ressentir que sur ces petits exercices, vous avez une sollicitation énorme de toute votre masse corporelle profonde qui maintient votre corps en équilibre. Et l'équilibre ne se travaille que en position de déséquilibre. Donc les petits exercices qu'on a faits, si vous les réalisez très facilement, à ce moment-là, au lieu de travailler sur une surface dure, comme le sol, vous réalisez les mêmes exercices sur une surface molle. Et par exemple, sur un tapis de sol, hein, pour changer justement le contact des appuis dans le sol. Et en travaillant ces exercices sur un tapis, vous solliciterez encore plus votre équilibre. Bien. On va faire un autre exercice que l'on peut réaliser facilement. C'est au lieu de travailler les deux jambes, largeur du bassin ou les deux pieds serrés, je vais vous demander de faire talon contre pointe. Voilà. Donc simplement, je vais vous demander d'avancer talon contre pointe.
sans poser le pied à côté. Voilà, on fait un pas, on en fait un autre. On ne va pas trop vite. On en fait encore un autre. On en fait encore un autre. Donc ça, vous fixez une ligne au sol. Donc normalement, on doit être capable de faire 10 talons contrepoint d'avant sans poser le pied en dehors de la ligne. Et je vous invite à faire les 10 talons contrepoint en arrière. Sachant que lorsque je pars en arrière, je n'ai plus la vue. Donc vous devez sentir un déséquilibre plus important se créer dans votre corps. Bien. Une fois que vous avez fait plusieurs allers-retours avant, arrière, talon, contre-pointe, toujours en toute sécurité, donc si vous avez des gros problèmes d'équilibre, moi je vous conseille toujours de vous mettre contre un mur. On fait talon contre-pointe en ayant toujours la main près du mur. Hop, qui peut m'aider à me rétablir en cas de perte d'équilibre. D'accord? Bien, ensuite on peut revenir talon contre-pointe. Alors on va tous travailler la jambe droite sur l'avant, la jambe gauche sur l'arrière. Voilà, très bien. Et bien là, vous ouvrez les bras. Et talon contre pointe, vous vous levez sur les pointes de pied. Et vous allez regarder la main droite. La main gauche. Vous me regardez. Talons au sol. Donc là, on a rajouté plusieurs paramètres. Réduction de la surface d'appui au sol avec une jambe devant l'autre. Alors que tout à l'heure, on avait les jambes positionnées largeur du bassin ou pieds l'un contre l'autre. Et ensuite, ben, vous faites la même chose avec le pied gauche sur l'avant. Pointe de pied. Donc je réduis encore la surface d'appui et je regarde la main droite, je regarde la main gauche, et je reviens face, et je relâche. Bien, là, vous avez sollicité pour regarder d'un côté et de l'autre les cervicales. Donc, le regard est dans l'axe. Ensuite, vous pouvez solliciter ce qu'on appelle la vision périphérique en réalisant les mêmes exercices. Bon, on peut essayer les deux pieds largeur du bassin. Vous ouvrez les bras, vous restez face. Et vous contrôlez les oscillations de votre corps en regardant avec vos yeux sans tourner la tête d'un côté et de l'autre. En haut, en bas. Et vous pouvez faire tourner les muscles, les yeux pour solliciter les muscles oculaires. Dans un sens et dans l'autre. Et relâchez. Et vous allez voir que la sensation au niveau de l'équilibre est encore différente. Bien. Donc voilà quelques petits exercices que vous pouvez réaliser facilement pour travailler votre équilibre en situation unipodale ou en situation contre un mur ou vers une chaise. À la fin de votre travail, vous pouvez refaire le test et vous verrez que vous aurez gagné au niveau de l'équilibre. Et puis moi, je vous incite à refaire régulièrement des exercices.
Prochainement, donc je ferai une vidéo pour tout ce qui est stimulation de la voûte plantaire parce que c'est hyper important de s'occuper de ses pieds. C'est la base de notre équilibre. Et j'intégrerai à cette vidéo quelques exercices pour travailler le vestibulaire. En attendant, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à faire ces exercices sur surface dure au sol ou sur surface molle sur votre tapis. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne que vous trouvez donc sur le site internet en bas de la vidéo. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez surtout pas aussi à me faire vos commentaires si vous voulez d'autres exercices, si ça vous intéresse de travailler votre équilibre. N'hésitez pas, moi j'ai travaillé très longtemps sur les ateliers équilibre prévention des chutes, donc je peux vous en faire des vidéos pour vous donner d'autres exercices. Je vous souhaite bon courage à tous et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.